Salut à tous! Aujourd'hui, je vous présente un petit haul AliExpress bon plan chaussures. Parce que j'adore les chaussures, mais pas les chaussures ordinaires, on peut dire. Donc j'en ai trois, enfin trois paires à vous présenter qui sont totalement différentes. Et alors, première paire que j'ai à vous montrer, je pense par quoi? Par les talons. Alors, j'ai commandé une paire de talons qui se présente comme ceci. Donc, ici vernis, talons très épais, plateforme coupée, et devant vous avez un petit détail là, style mocassin en fait. Et je les adore. Je les aime, je les aime, je les aime. Et je les ai payés 16,19 €. Donc pour une paire comme ça, en général, dans tous les magasins où vous pouvez aller, elles ne sont pas à 16 €. Elles sont pas à 16 €. Et bon, je sais pas si vous entendrez, mais la semelle, c'est du plastique, quoi. C'est tout léger. C'est... Même ma trousse de cours, elle est plus lourde. Mais ouais, c'est... Vous voyez, enfin... Voilà pour celle-ci. Ensuite, deuxième paire que j'ai à vous présenter, ce sont des chaussures spéciales que j'adore. En fait, les trois paires que j'ai achetées, je les adore. Et alors celle-ci, donc pareil, hein, en fait, on dirait de la gomme. Vous savez, les gommes qu'on avait quand on était petite, là. Des... Toutes légères qui gomment rien du tout, mais en fait, c'est ça la matière. Bon, en bas, vous voyez, c'est. Voilà. Elles sont en tissu, bon, là, elles sont un petit peu sales. Mais bon, je vous les montre quand même. Je les ai portées plusieurs fois. Donc, en fait, c'est du tissu ici qui est vert. Un joli tissu. Vous avez le petit liseré blanc de la couture. Et ici, il y a un trou. Donc comme je les ai payées 17 € tout pile, en fait elles ont un trou ici. Et quand je les ai reçues dans la boîte aux lettres, elles étaient dans les sacs plastiques d'AliExpress et dans une boîte à chaussures qui était complètement défoncée. Donc j'avais pris une photo avant de l'ouvrir et une photo frappée et j'ai fait ce petit trou. L'autre elle est nickel, il n'y a aucun défaut, mais celle-ci a un trou quoi. Donc du coup j'ai ouvert un litige essentiellement pour la boîte quoi. Et après je me suis rendu compte qu'elle est ça, donc je leur ai aussi envoyé cette photo. Et ils m'ont... Donc je pouvais pas faire un... J'avais pas fait un remboursement complet puisque bon, elles sont très bien. J'avais juste peur que ça se détache, mais en fait non, ça se détache. Puis au pire je mettrais une colle spéciale dans l'interstice ici. Et du coup j'étais remboursée de 10 €. Donc elles m'ont coûté 7 €. 7 €. 7 €. Oui, oui, oui. Donc... Et la troisième paire, c'est la dernière que j'ai reçue. Elles sont un peu sales, je les ai déjà portées plusieurs fois. Et elles sont très étranges. C'est pas genre des styles de baskets habituels. Voilà. Alors, l'extérieur, ça se présente comme ceci. Et l'intérieur, c'est comme ça, à l'intérieur du pied. Donc, ce sont des plateformes pareilles en plastoc. Bon, je vous montre les soies, elles sont dégueulasses. Ça me fait pas de fond, plus la semelle est blanche. Et donc en fait ce que j'ai aimé c'est que elles étaient... personne n'aura ces chaussures dans mon entourage, personne. Et donc ici c'est du tissu tout là, voilà, la petite languette là. Donc ici c'est une espèce de simili cuir en fait, voilà. Et ici c'est une espèce de tissu, mais je saurais pas vraiment expliquer la matière, c'est étrange. C'est entre le tissu et l'éponge en fait, je sais pas trop. Et ici c'est vernis et elles sont super confortables. Et en fait sur le site c'était écrit, c'était les tailles européennes décrites, donc j'ai pris 37 puisque c'est ma pointure. Mais j'étais pas sûre qu'ils allaient m'envoyer, enfin j'étais pas sûre que ce soit vraiment l'équivalent. Donc je leur ai envoyé un petit message juste avant de payer. Et du coup ils m'ont dit, enfin quand je les ai reçus j'ai reçu un petit papier. En fait c'est la taille 38 qui correspond à un 37, donc... Si vous savez pas, surtout pour les chaussures, demandez au vendeur. Et celles-ci m'ont coûté 17,97 €. Voilà, c'est mes copines. Voilà, je les aime.
plutôt. Voilà. Et donc, c'était les trois paires de chaussures. Après, pour l'instant, j'ai pas trop besoin d'en commander d'autres. Donc, quand j'en aurai d'autres, je vous filmerai ça. Mais en attendant, je suis super satisfaite des produits de chez AliExpress. Vraiment, ils sont... Leurs chaussures, après peut-être que j'ai eu de la chance, je sais pas, hein, mais moi j'adore. Et ensuite, j'ai juste un petit bon plan à vous donner. J'ai acheté des chaussures qui sont maintenant très abîmées, mais je les ai achetées à Emmaüs et ça fait quasiment un an que je les ai et je les ai payées 2 euros. Voilà. Bon là, elles sont toutes dégommées parce que je les porte quasiment tous les jours, mais voilà, 2 euros, c'est de la qualité, c'est écrit 38, mais en fait, moi ça me va, donc c'est parfait. Donc, 2 euros chez Emmaüs. Et n'hésitez pas à faire un tour, ça aide des gens, et puis même à déposer votre vêtement, ça peut aider. Et en plus, vous pouvez faire de belles trouvailles, donc c'est formidable. Donc, c'est pas mal. Et voilà pour mes chaussures. C'est tout ce que j'ai à vous présenter au niveau des chaussures. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à aimer si ça vous a plu et vous voulez en voir d'autres et à commenter ma vidéo. Ciao!